Thank you.
Alors pour moi, ce genre de musique mixte, et spécialement avec soliste électronique, pour moi c'est un peu l'idéal. Parce qu'on a d'un côté tout ce que apporte le soliste, c'est-à-dire sa présence sur scène, son côté dramatique sur scène, son expérience, son charisme, le son naturel qui est inégalable dans l'électronique. Alors il y a tout ce potentiel pas le potentiel, toute la richesse de l'instrumentiste, seul en plus, qui est beaucoup plus forte. Et puis on a toutes les extensions possibles de l'électronique. C'est-à-dire on peut agir sur l'espace, hein, on n'a pas un son frontal, mais on est entouré de haut-parleurs, alors vraiment on peut vraiment faire un parcours phrase par phrase, note par note. Alors on a l'espace, on a le timbre qu'on peut l'enrichir ou l'appauvrir, le filtrer, etc. On peut agir aussi sur le ton. Quand un instrumentiste s'arrête de jouer, le son est mort. Là, on peut l'allonger d'infini, travailler avec le ton d'une façon indéfinie. Un autre paramètre très important, c'est le fait qu'on peut superposer beaucoup de plans. Et ça, c'est une richesse énorme. Alors, on a un médium qui est très riche et à la fois très souple parce qu'on n'a pas besoin d'une orchestre, on n'a pas besoin de 15 musiciens, mais avec un seul instrumentiste, on peut faire quelque chose de très riche sonorement, avec plusieurs niveaux, avec plusieurs plans sonores, et à la fois c'est très facile à mettre en place. C'est sûr que ça m'a influencé, hein. L'idée des séquences, cette idée, je la trouvais formidable. Je pense que Berio faisait un travail vraiment sur l'instrument, le connaître à fond, voir toutes les possibilités de l'instrument. Moi, je ne sais pas si ça, c'est le but ultime de mes traces. Pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça peut être vraiment un laboratoire formel. Par exemple, dans la trace 9, l'idée que je voulais... qui était, disons, la problématique principale, c'était faire une forme à partir de la densité, de la légèreté. Alors, il y a une partie dense qui va être au milieu de la pièce, au centre de la pièce. Ça va être corroboré par plein d'éléments. Par exemple, c'est le seul endroit où on va écouter le vrai son du violoncelle complètement épanoui, sans aucun filtrage, et très étendu par l'électronique. Tandis que dans la périphérie de ce centre-là, ça va être un travail sur le rien. Hein. Ça va être un travail un peu sur l'espace, sur le timbre,
avec tous des sons qui sont à la périphérie du violoncelle, mais cette idée de créer un peu le vide pour que quand ce son arrive, il ait tout son impact. Alors c'est un peu ça l'idée de cette pièce. Alors dans toute la pièce, toujours il y a comme des états. C'est pas des sections, j'aime pas penser à des sections, j'aime penser à des états musicaux. C'est-à-dire que une ligne va m'amener dans un état. Par exemple, on va rentrer dans l'état de bois, où tout est bois. Tout le violoncelle joue avec le col legno battuto, dans l'électronique, il y a toute cette idée de bois, etc. Ou quand on va aller dans les fréquences très graves, ou dans les petits sons complètement éclectiques, ou dans le son épanoui. C'est-à-dire que chaque moment de la pièce, c'est un état. Et chaque état mène à un autre état. Ça, c'est un peu comment j'ai pensé cette pièce. La rencontre avec un musicien est très importante parce qu'après ça reste un peu dans la tête. Quand je compose, il y a certains musiciens que j'entends toujours dans ma tête. Je veux bien continuer à collaborer avec Alexis Descharmes. Pourquoi ? Parce que c'est une collaboration qu'on a depuis des années. J'aime beaucoup son jeu. Je pense toujours à lui quand j'écris pour le violoncelle. Il est extrêmement agile et à la fois très précis. Et ça, c'est très riche. Il y a une richesse du son d'abord à tous les niveaux. C'est-à-dire quand on veut faire des choses très spécifiques, on peut aller très loin dans le travail avec lui, et puis techniquement, c'est comme s'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est jamais un problème l'aspect technique. Et l'aspect musical ? L'aspect moins encore. Je veux dire, quand je dis